Donc, si on regarde ici sur le modèle, on voit une épaule où on voit les os et les muscles, puis les tendons qui s'accrochent sur l'os. Sur cette vidéo-là, on ne voit pas la bourse, mais la bourse, si on la dessine ici, on voit que ce serait par-dessus toutes les tendons à ce niveau-ci. Puis là, si on regarde en échographie à quoi ressemble une bursite, donc un patient qui a gracieusement permis qu'on puisse utiliser ces images d'échographie pour vous montrer. Donc, au haut de l'écran, on voit une image d'échographie normale où on va voir l'os qui est ici. Ensuite, on voit le tendon de la courbe des rotateurs. Puis, en haut, on peut deviner la bourse, par la suite le muscle, la graisse, puis la peau. Si on regarde l'image d'échographie du bas, donc on voit les mêmes structures. Donc, on peut voir l'os. On peut voir le tendon qui est en tendinopathie, donc les fibres du tendon sont moins belles, moins organisées. Et puis, on peut voir la bourse qui est cet espace noir-là qui est augmenté par rapport à l'autre image. Donc, dans ce cas-ci, c'est un cas de bursite assez sévère. Dans d'autres cas, on va la voir moins facilement. Puis ensuite, le muscle, on a les graisses, puis la peau.